Lundi 23 octobre 2023, Caroline Receveur a annoncé une merveilleuse nouvelle à ses abonnés. Sur son compte Instagram, l'ancienne star de télé-réalité a révélé qu'elle avait franchi un nouveau cap dans sa bataille contre la maladie. Caroline Receveur fait un pas de plus vers la guérison. Il y a quelques mois, la jeune maman inquiétait ses fans en révélant être atteinte d'un cancer du sein agressif. Une maladie détectée à un stade précoce. Elle dévoilait la mauvaise nouvelle en ces termes, « Je me sens vide, j'ai perdu le goût des aliments et un peu de la vie aussi. Je suis dans la salle d'attente, je craque », avait-elle déclaré. Il y a quelques jours, Caroline Receveur donnait de bonnes nouvelles à ses fans, « Il y a 6 mois encore, je vivais dans la peur. » La peur de tout perdre, de ne pas être assez, de ne pas y arriver. Mes angoisses et mes doutes rythmaient mon quotidien bien trop bruyamment. Si on m'avait dit que je continuerais à sourire, à rire et à aimer la vie après l'annonce de mon cancer, je ne l'aurais jamais cru, et pourtant, aujourd'hui je souris, je ris et je vis encore plus fort, avait-elle confié, commençant alors à songer à la vie d'après. Caroline Receveur avait alors indiqué qu'elle avait fait un travail sur elle, mes peurs, mes angoisses et toutes mes émotions refoulées font désormais partie du passé. Je ne suis pas complètement guérie physiquement mais je le suis émotionnellement. J'entame aujourd'hui un nouveau chapitre de ma vie, plus heureuse, plus sereine et plus apaisée que jamais, reconnaissante d'avoir traversé ce tunnel pour y trouver la lumière qui illumine désormais ma vie d'après, disait-elle. Chirurgie le mois prochain, ce lundi 23 octobre 2023, Caroline Receveur, qui fourmille de nouveau de projets, a une nouvelle fois pris la parole sur son compte Instagram pour donner de ses nouvelles. On peut alors y lire un message envoyé par le docteur de la star. C'est un excellent résultat. On n'aurait pas pu espérer mieux. Félicitations, a-t-il écrit. Un message que Caroline Receveur décrypte. Ce matin, j'ai passé un IRM de contrôle après mes 6 cycles de chimiothérapie. Je voulais partager avec vous le message que mon docteur m'a envoyé concernant les résultats et qui remplit mon cœur de joie. Next step, chirurgie le mois prochain pour Cleaner Tusa, a-t-elle détaillé. Un énorme soulagement pour ses nombreux fans. Diaporama, voir le diaporama.